Bonjour la VOD. On est toujours sur Assassin's Creed Mirage. Et on est toujours avec Fry. Psy a bugué. Donc je pense que je vais devoir cacher la source du truc. Mais il s'est trouvé un nouveau passe-temps. Mais en vrai, je vais pas avoir je fais ça mais je vais pas avoir le choix hein. Ah. Oh! Vous avez réussi! Oh, vous l'avez effacée! Je la remets à peu près comme elle était. Merci! Oh non, mais le chat maintenant! Non, pas celui-là! Pas celui-là! Celui-là, il est trop long, faut que je l'enlève. Faites pas ça! Alors, on vient d'assassiner. Stenning, je crois qu'elle s'appelait. Le trésorier. Qui était aussi une humaine. T'es tout seul, tu sais. Non mais ah merde oui j'ai inversé du coup. Maintenant c'est le chat mais c'est la faute du chat vous avez vu vous le faites tout bugger. Du coup regarde le chat. Je vais enlever ça hein. C'est pas possible. On a eu des points c'est bien on a avancé mais du coup quelle est la suite des événements? Bah déjà, je vais essayer d'avoir ce point de TP là, sinon c'est chiant. Et ensuite, on va voir les quêtes principales. Je vais plaider la folie passagère. C'est vous, hein? C'est vous la folie, hein? Moi, je fais un stream sérieux depuis le début. Quand même, on est sur un sujet puissant. On parle de meurtre et tout. J'essaye, moi, d'être un assassin un peu honnête, un petit peu... voilà. Qui reste dans le credo de la justice, finalement. Mais vous ne m'aidez pas. Et en plus de ça, vous vous moquez. Vous vous moquez des victimes de l'assassinat. Pourtant, ça n'en est pas moins des victimes. Peut-être sont-ils... étaient-ils... pas irréprochables. Peut-être n'étaient-ils pas irréprochables, mais ils étaient humains. En pixels humains, peut-être. Et vous, vous abordez ce sujet avec légèreté. Et vous me mettez des énormes têtes en premier plan. Et ça, ça dégoûte. Parce que moi, depuis le début, tout ce que je fais, c'est pour la justice, en fait. Ça fait cramer. Allez, on arrête, hein. Je la vire la source. Voilà. Là, hop là. Désolée si vos émotes marchent pas pour aujourd'hui, pour la fin du stream. C'est que des émotes en commande de chat. C'est pas avec des points, donc y a pas de sous. Ouvrir des coffres. J'ai réussi ça hein, aussi. Hein. L'un n'empêche pas l'autre, tu sais. La justice n'empêche pas d'être riche. Je pense. Je crois. Je sais pas. Bref, moi j'ai décidé de faire les deux, hein. Il y a des gens qui sont justes et pauvres. Et ben tant mieux. Oui, ça, ça marche. Puis on confirme que la justice n'empêche pas d'être riche. Ouais. En vrai, la justice est peut-être même... voilà. Peut-être les plus justes sont-ils les plus riches. Ayez confiance. Ayez confiance en la justice des riches. Oh, chat! Ça fait longtemps. Il est joli celui-là. Hein. Oh. Ok. En tant que riche juste, je vais aller à la mission suivante. Qui est donc... oh, attendez, attendez, attendez. Carte au trésor peut-être, non? Attendez, attendez, j'avais dit que pour moi, le trésor de la carte au trésor était genre par là. Je sais plus. C'est un endroit où il y avait des lacs. Enfin, des étangs.
Mais je sais même pas de quelle carte je pars. Attends. Inventaire. On va regarder un peu là. On en a eu aucun. Derrière les portes du Connemara. Ouais, alors ça c'est le merdier. Voilà. Ça c'est mieux ça. On a mur. On a désert derrière. On a... Tac ici. Attendez. On est... mes captures d'écran. Est-ce que je peux toujours pas la drag and drop? Bah non, ça marche pas, hein. Ça marche pas en fait, hein. Oh, un sup que ça marche pas. Si je fais ça... Bien, et je fais coller ici. Ça marche ou pas? Ça marche pas du tout. Fuck. Bon. Voilà. Moi j'ai ma capture d'écran. Vous, si vous voulez voir, faut en faire une aussi maintenant. Ici. Ouvrir. Ici. Voilà. Alors ça, on a un dôme bleu. On a la... Ah non, mais c'était pas ça que je voulais... Si, c'était ça. C'est ça que je veux voir. On a petite fontaine et on a petit endroit avec kiosque et saule pleureur et eau. Voilà. On va voir tout de suite. Petit endroit avec kiosque et saule pleureur et eau. Alors il y a un mur derrière. Donc on est, voilà, on est près de la muraille. Genre, voilà. Alors on peut parler. Je regarde. Il n'y a pas un pont. Ah si, peut-être. Ah, un pont. On est près d'une, voilà... d'un truc de flotte comme ça et d'un mur et du désert derrière. Donc ça peut être par là en vrai. Mais là, je vois pas de bâtiment qui ressemble à ce qu'on a vu. Oh, mais ici! Mais j'étais déjà allée ici, je crois. Ah non, j'étais pas déjà allée. Bah non, mais c'est ici, totalement ici en fait. Ok. Et ben, je vais mettre mon point là. Et je peux me TP peut-être pas loin, genre ici. On est bien. Hôtel de Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse. Tu sais que t'as corrigé un... Ah, t'as écrit Bourg-en-Bresse. Ah oui, d'accord. Je comprenais pas pourquoi t'avais corrigé. Bourg-en-Bresse. J'aime bien... Je préfère Bourg-en-Bresse. Ah! Ne veuille pas sauter, t'es fou! Du coup, c'est par où depuis ici? J'ai mis le point? Oui. Donc je vais là-bas. Ne faites rien. Ne faites rien. Ah! Ma manette! Ah! Il détecte plus ma manette! Waouh, 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 wow, c'est bon. Non mais escalade, enfin, y a une échelle! Y'a une échelle! Oh, c'est tellement là-bas. Ok. Je vais essayer de pas mourir. Ils sont trop beaux, les ânes. Oh. J'ai pas le droit d'y aller, c'est ça? Oh, si, j'ai le droit d'y aller. Oui, c'est bon. Donc normalement, on regarde par rapport à une sorte de fontaine. Au milieu. Enfin, au milieu, non. En face de l'entrée. Le dôme de l'âne, c'est pour ça qu'il y a plein d'ânes. Voilà. Donc la fontaine est ici. Oh, et l'âne, ils l'ont même pas laissé tranquille. Oh, il y a un chat là-bas. Chat. Hein. Bisous Fernalou, bonne nuit.
J'espère que ça s'est bien passé la session sur Minecraft. Des gros bisous. Ensuite, nous continuons. À droite. Oh, il est là l'arbre. Oh oui, il est là l'arbre. Il n'y a pas le sol pleureur. Non, je continue du mauvais côté, moi. Attendez. Mais oui, je vais du mauvais côté, c'est là-bas. Stupide. Stupide. Ah. Peut-être plus par là, regardez. Bah voilà, c'est là-dedans, collecté. C'est bon, j'ai trouvé. Oh, trop bien. Trouver une vieille genre. Talisman mystérieux. Non mais un talisman, je fais ça pour un talisman, vraiment? Il est où le sol pleureur? Ah, il est là. Pas vraiment le sol pleureur. Un peu? Un peu. Moi. Moi j'aime bien le sol pleureur. Lui, c'est pas vraiment le sol pleureur. Bon bah voilà, on a trouvé un truc. Est-ce que je l'ai toujours dans mon inventaire? On a trouvé ce talisman. Un symbolique remonte à une civilisation ancienne peu connue. Une grande partie de son histoire a été oubliée, mais cette relique demeure intéressante pour ceux qui sont capables de la reconnaître. J'avance, hein? Ah, fallait qu'on aille voir Ali. Je vais y aller, mais je voulais voir avant si la carte elle avait été enlevée de mon inventaire. Oui. On avait celui-là. Attendez, j'ai la capture d'écran aussi. Et ça aussi, c'est facile parce que c'est... Vous voyez, c'est un petit truc comme ça. GG! Merci, Catalyse! Merci beaucoup! J'ai des teintures aussi. Ah, j'ai pêché d'autres teintures? Ouais, mais alors j'ai l'impression qu'il y a des teintures qui sont compatibles avec certains habits. Ah oui. Teinture. Tenue d'initié. Mais pourquoi ma teinture, ça me change ma tenue? Je n'avais pas encore trouvé de teinture pour cette tenue. C'est bizarre, non? Peut-être qu'il y a des tenues qui se teignent pas. Ah oui, j'avais une nouvelle dague. Est-ce que j'ai squat améliorer? Non. Lorsque la santé de Basim est inférieure à 50%, sa résistance aux dégâts est à que 30%. Pas mal, ça. C'est pas mal parce que la dague, en fait... Ça sert qu'à ça. Je vais la prendre. Parce qu'en fait, oui, la dague, ça me sert juste à... à me défendre et à faire un exécuté. Donc, ouais, c'est bien. Compétence! Et quoi que je voulais, c'était ça. Ah, il me faut 4 points. Bah, je vais attendre. Et du coup, le monte. Ah oui! Non, non, j'étais sur l'inventaire, pardon. Je regarde à la map. On va le faire aussi, celui-là. Alors attendez, je le tab et j'avais déjà fait une capture d'écran hier, je la mets. Ok. Sous un... Alors, c'est un tout petit bout de terre. Il y a une église. On voit plein de croix partout. C'est peut-être là où on était tout à l'heure. Et il y a un arbre. Encore. Encore des arbres. Toujours. Moi je suis forte en arbre. Peut-être ici. On voit pas de pont sur le dessin. On voit pas de pont, donc ça va pas être ici. Genre, ce serait parfait ici, mais on avait déjà regardé, ça n'a pas de sens. C'est une église, ça? Bah non, c'est le truc de nous. De nous, les assassins. Assassins. Non. Peut-être là, mais ce serait beaucoup plus grand que prévu. Peut-être là. Mais il montre pas de port. Et là, il y a un port. Bah, dis donc. Ah, ça peut être des bouts comme ça, les petits... Bah non. Parce qu'il n'y a plus de ville à cet endroit-là.
Voyons, on va. Un monde, ça part là ? Oh, pas de sens, hein. Ouais, on avait looté la nouvelle dague. Je pense que ce sera pas mal. Oh, c'est ici ! Je pense. Et là, il y a un arbre. Oh, punaise, c'est ici ! On y était. On n'était pas loin. On n'a pas pris le TP. C'est complètement là-bas en fait. Je vais vous montrer. Non, pas ça, ça c'est compliqué ça. Tac, arbre, petit coin comme ça. Église. Là comme ça, église. Là il y a un arbre. Petit coin comme ça. Le truc c'est que... Ah mais c'est là où j'ai volé le bateau. C'est là où j'ai volé le bateau. Qu'est-ce qu'on fait, on y va ou pas? On retourne à pied. Bah après sinon ce que je peux faire c'est choper un bateau ici peut-être. Je vais essayer, je vais me TP là. Si je suis en bas de bateau ça ira vite. Et on fait ça comme ça on aura deux trésors. Oh, c'est joli les couleurs là. J'aime bien le contraste. Si on prend un bateau, on y sera assez rapidement, je pense. Je pense. Il n'y a pas de bateau juste tout proche. Il y en a là-bas. Je vais te laisser aller piotailler. Oui, sur ce beau téton. Je suis ravie qu'il vous plaise tous. Bonne fin de live, jeune assassine. Merci, c'est trop mignon, des gros bisous. Encore merci pour le raid, c'est adorable. C'est vraiment très adorable. Et à tantôt. Des gros bisous. Ce fut très doux. Et tes émotes sont très jolies. Moi, j'ai même pas d'émotes cœur. Ah, c'est rapide par la flotte, c'est cool. À tantôt dans le métro. J'aime bien. J'aime bien les vieilles vannes comme ça. Qu'on n'osait pas faire avant parce qu'elles étaient trop pourries. Maintenant je les aime bien. Les hirons. Bon, j'imagine que c'est un endroit où j'ai pas le droit d'aller. Pas de soucis, incroyable. J'ai jamais le droit d'aller nulle part. Ça c'est vrai ça. On n'a jamais le droit d'aller nulle part. Ah! Lâche. Voilà, ça ce sera fait. Au moins je pourrais facilement venir ici. Mais est-ce que c'était là que j'avais volé le bateau? Ouais, si. Bah non, c'est de la flotte là-bas. C'est peut-être là-bas, mais je ne sais plus. J'ai pu sauter où? Des bisous, petit Swift. Ça c'est fait. Ensuite, le trésor. C'est quoi ça? Entrée secrète. Oh punaise, il y a un livre.
On va essayer d'y aller un peu, on va essayer de faire un peu ça quand même, on est à côté. Le marchand d'épices situé au cœur du bazar réinventera pour vous le goût de chaque bouchée. Le calife lui-même approuve ce message. I am the caliph and I approve this message. Bon, il y a des méchants ici. Ah non, même pas, il y a juste des loot. Oh mais c'est trop bien ça. Mais que me vaut l'honneur de tant de loot. Ah, que me vaut l'honneur de tant de loot, c'est ce que je vais devoir me faire chier à déplacer, c'est ça? Ça marche pas. J'ai voulu casser, ça marche pas. Ok. Je peux pas reculer plus ? Bon. Pas trop comment je vais passer, mais j'imagine que c'est un début. Oui, mais ensuite. Amélioration d'outils. Oui. Je te remercie. Ça sert à quoi ça? Bon, où est le bouquin? Là-bas, évidemment. Ça par contre je vais faire. Ah oui, puis là je peux passer. Oui. Oh mais il est là le bouquin. Mais qu'est-ce que je m'emmerde avec ce truc? Il y a quoi de ce côté-là? Mais il y a rien du tout. Oh bah je m'en vais. Mais je me bats. J'ai le bouquin. Des connards et j'en joue. Oh mais qui c'est donc? C'est le Rebe. Non, c'est mauvaise voix. Rebe. Ah. Beaucoup trop aigu. Mais je trop parlais aujourd'hui. Beaucoup trop aigu. La digue. Ça va, petit Rebe? Il a buté des gens. Non, je fais ça proprement, moi. Je ne tue que les coupables. Et ce que quand j'ai pas fait trop exprès de me faire opérer que du coup j'ai dû éliminer. Tu vas bien petit Rubik? Ça faisait quoi tu? Oh y'a un serpent! C'est la deuxième fois que j'en vois un. Vendel se disait c'est un Black Mamba. Ah! Peut-être. Je sais pas. Il est pas très fatal ce Black Mamba. Un peu petit bras le Black Mamba. Peut-être parce qu'il en a pas. On faisait le foot. Oh ça faisait le foot. Moi aussi il faut que je fasse le foot bientôt. Le coupable c'est Jean. Bah le coupable c'est des gens. Mais des gens sont souvent coupables tu vois. Tu fais le foot. Mais il faut que je fasse une soirée FIFA bientôt. Et ce sera probablement pour le fin octobre, début novembre, parce que c'est sur le Game Pass et mes potes ils vont sûrement prendre le Game Pass à ce moment-là. Donc voilà, FIFA 23, avant que ce soit un autre nom. Alors, on a fait ça. Merde, je m'en vais, attendez. Vous me dites rien.
colère, elle se fait toujours repérer sans faire exprès. Tu peux pas te laisser dire ça. Parfois déjà je le fais un peu exprès. Et d'autres fois, c'est pas que je suis repérée, c'est que je suis reconnue parce que trop famous dans Bagdad. Des bisous Rubik, merci beaucoup pour le raid, c'est très mignon. Merci d'avoir pensé à moi, c'est adorable. Salut Malcolm X, pardon. Pardon, j'avais pas vu, je suis mort Malcolm X, pardon. Alors attendez, ce que je vous montre, tiens, ce qui vient d'arriver. On est sur Assassin's Creed, on a commencé le jeu il y a 3 jours maintenant, donc possible spoil pour ceux qui veulent pas se spoil, bah il y a du spoil quoi du coup. Et là on a une carte au trésor et je pense que c'est l'endroit où nous sommes et du coup faut qu'on aille dans près d'un arbre là-bas. Là il y a un téton. Et du coup l'arbre ce serait probablement celui-là. Donc je vais foire. Hein. Punaise, j'avais totalement oublié d'aller voir pour le trésor. On avait pris le bouquin, c'est pour ça que je pensais qu'on avait fait ce pourquoi nous étions venus. Bella ! J'ai soif ! Bisous Didibel, bonne nuit ! Trop de papillons. Oui, bah. Peut-être trop de papillons, mais alors moi je préfère être trop de papillons que... Voilà. Change my mind. Un sup. D'accord, merci. Faut que j'aille si loin, mais bon, au moins c'est fait. On a eu la... J'ai eu quoi? Eh, hey, j'ai loot, j'ai même pas vu. J'ai eu quoi? J'ai eu de la teinture encore. Teinture... Je m'en fous, je veux la teinture pour ma tenue avec le téton. Des tenues de ton. J'ai eu quoi? Catholique, j'ai eu quoi comme loot? J'ai pas regardé. Alors, on se TP du coup pas loin de ça. Faut que je parle à Ali. Ali qui pète un câble. Ali qui va tellement nous trahir. Ali que je sens pas du tout. Et Ali qui se la pète. J'ai pas fait attention. Mais mince, si toi non plus tu suis pas, je fais comment? D'habitude, c'est toi qui me dis ce que je dois faire. Notre duo, il va plus marcher. Ah, j'ai failli tomber. J'ai spammé plein de touches parce que j'avais oublié. Attendez. Du coup, il y a des points qu'il faut que j'enlève. C'est celui-là. Oh merde, j'ai pas pris le point de TP alors que j'y suis allée pour le coffre au trésor, ça me saoule. Attends, si je prends de putain. Oh, des chats. Ah, ils sont couchés alors je peux pas les déranger. Oh, des vieilles sandales dégueu qui puent la sueur. Relevez-vous les chats. Je vais vous caresser. Comme dans la vraie vie. Un chat qui dort, qui est allongé, on le laisse là où il est, on ne le dérange pas, même si ça nécessite qu'on doit manquer le boulot parce que le chat a décidé de s'allonger sur nous. C'est une teinture. Je pense que c'était... Il n'y avait pas que ça en vrai. Peut-être une Amélio. Bah non. Je sais pas. Il y a quoi ici? C'est mon père qui a bâti cette maison. Elle appartenait à notre famille et nous l'a prise comme de vulgaires voleurs. Ils nous l'ont prise comme de vulgaires voleurs. Ils croient que leur métier de soldat leur permet tout et que personne n'osera leur tenir tête. Eh bien, ce ne sera pas le cas cette fois. Cet ordre émane du capitaine El Rafari. Qui... Attends, il n'en donnera pas d'autre. Je vais lui passer son épée à travers le corps. Ah, oh, violent. C'est un peu métal ça, dis donc. Moi, perso, ça me choque. Hein. Résout tout par l'assassinat. Alors, s'il y a bien un truc que je fais pas, c'est ça, tu vois. Oh non, faut que je passe par là. C'est pas grave.
C'est pas grave, je vais résoudre tout par l'assassinat. C'est bon. Il me faut mon dromadaire. Je suis quelque peu repéré, je suis un peu poucave, mais je t'amène mes gardes. Il faut que je sois anonyme. Rends-moi anonyme, Ali. Fais un effort. Sois pas nul. T'as l'air si nul. Attendez, je vais être anonyme. Attention, ça arrive fort. Anonyme. Oh, y a un chat! Oh, c'est les deux mêmes chats, je suis déçu. Ils ont l'air tellement plein de puces. Oh non, il a peur. Il n'a pas peur de moi, petit chat. Ah, je peux pas le caresser parce qu'il a décidé de recoucher. Il a peur de moi. Non, mais c'est quand que je suis anonyme là? Ça met 3 jours. Attendez. Je me recache. Ça va, ils m'ont même pas suivi jusque là, ils ont même pas voulu faire 24 mètres, les gars. Bon, je suis peinard. Ah, mais ça, en fait, ça a bugué, je crois. Je vais m'éloigner, peut-être. Ouais, ça ressemble à un bug, un peu. Oh, fait chier. Après, il y a qu'un garde, au pire, je le bute. Je pense que c'est le garde là-bas, avec son icône, là. Je pense que c'est lui qui fout la grouille. Non, c'est pas mon genre de meurtrier été, hein. Voilà, tu m'as bien saoulé, toi. C'est bon. Pas maintenant. Non, pas maintenant. C'est bon, on a anonymisé tout ça. Allez, tu es prêt? Il te bloquera plus. Ouais, non, mais de toute façon, il était bugué. Soit je relançais le jeu, soit je le tuais. J'ai choisi, franchement, l'option la plus sympa. Attends, j'ai pas mon gifle. C'est bon. Oh, vous avez vu, on est dans les mêmes couleurs. Lui, il est sombre, il a un cheval sombre. Moi, je suis clair, j'ai un cheval clair. Oh, il a mis... Regardez, il vire les gens sur le chemin. Oh, il en a tellement... Rien à foutre. Parle comme tes maîtres, Massive. Ouais, et est-ce que les maîtres disaient qu'ils avaient envie de gâteau à la noix de coco? Ça m'étonnerait, pourtant c'est mon cas. On ne me contrôle pas. Je n'obéis à personne. Je suis libre. Un peu mytho, ça. Un peu mytho de ouf, ce qu'ils disent. Tous tes actes servent ceux qu'on ne voit pas. Clairement. Assez étrange comme forme de liberté. Ceux qu'on ne voit pas sont ma famille. Il n'y a aucune contradiction. Si tu le dis. Si, mais de fou, mec, en vrai. Les rues en ne rendant des comptes qu'à moi-même. Mais je n'étais pas libre pour autant. À présent que d'autres te disent qui tu es, es-tu libre davantage? Tu ne pourrais pas comprendre. J'en saisis bien plus. T'es juste aveuglé, dude. Réfriment. Qu'est-ce que tu racontes-tu donc? Jar Jar Aria. Jar Jar Aria. Non, je crois que j'ai oublié une syllabe.
Oh non, ça a l'air pauvre ici, il va avoir plein de punaises. Allez, je sais que tu nous vengeras. Oh que dalle, c'est moi qui vais tout faire comme d'hab. Ne t'éloigne pas. Si tu es vraiment libre, Basile, pourquoi se confier en toi? Que veux-tu dire? Je n'ai aucun conflit. Est-ce que si je me mets derrière le cheval, il me tape? Position entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu ne trouveras la vérité que si tu es honnête envers toi-même. Smash. Aucun homme ne peut voir ce que pense un autre. Aucun homme ordinaire, non. Mais regarde-moi. Oh. Je n'obéis à personne. Je ne suis sous la férule de personne. Oui, ça t'empêche pas d'être très chiant. Toi, j'ignore ce que tu es. Je suis le héros. J'ai commencé Outer Wilds tout à l'heure. Ouh, gros morceau ça. Et je crois que je commence à être malade, nice. J'ai tellement peur d'être malade aussi, tout le monde l'est autour de moi. J'ai pas envie. Bizarrement. Oui, c'est bizarre. Mais ces derniers temps, quand j'étais malade, j'avais vraiment tous les pires symptômes. Alors, chiant. Quoi de neuf? Bah écoute, je fais mon petit bonhomme de chemin et je réponds à la justice. Voilà. Mais Outer Wilds, j'espère qu'il te plaira. En tout cas, il a l'air d'être ouf. Mais moi, je suis un peu feignante. Je m'y mets pas encore parce que... Les gens d'ici, je sais que c'est trop... C'est un gros morceau, quoi. Cela sera pire après les funérailles. Il y a une maison de thé pas loin. Des buveurs de thé parlent. Tu apprendras peut-être quelque chose sur ceux qui enlèvent les nôtres. Et que vas-tu faire? J'ai mes propres enquêtes à mener. Si tu découvres quelque chose, retrouve-moi ici. Tu as une hallucination qui m'a dit que j'aurais 50 vierges en mourant. Moi. Ah, c'est surtout qu'en fait, c'est même pas tant par rapport à ses potentielles croyances et tout. C'est juste que, bah, le Basim, en réalité, il fait qu'obéir à des ordres en permanence. Je renifle et j'ai un début d'acidité dans la gorge. Ça commence à te piquer la gorge. Ah, ça pourrait être une petite crève, mais bon. Les clients de la maison de thé ont peut-être des informations. Donc faut que j'aille à la maison de thé. Attends, c'est où? Oh, ça jacasse, hein. Ça jacasse, là. On va prendre le point de TP, de toute façon. Et je vais baisser un petit peu le son du jeu. On a un peu moins les blablas en arrière-plan. Jar Jaraya. Ah non, c'est ça, Jar Jaraya. Ça va, c'est facile. C'est pas Outer Wilds qui fait ça. Non. Il commence à être malade, juste c'est voilà. C'est deux infos distinctes. M'a juste bouffé 3 heures sans m'en rendre compte. Et alors, ça te plaît pour le moment? Allez, ah voilà. Oh, je peux pas taper ça? J'arrive pas à le taper? Je peux pas quand tu... Ah si, voilà. Un cours de mission. Oh merde! Allez, passe! Oh là là, c'est lent. Oh, je suis passé par là en me disant que c'était peut-être mieux, je sais pas. Mais je commence à être fatiguée. Ok. Non mais tu me diras un petit peu ce que t'en penses quand tu l'auras un peu plus... quand t'auras un peu plus d'heures de jeu. Je sais qu'un de ces quatre ce serait bien que je le fasse, mais j'ai... Pas patience tout de suite. Mais je le sais. J'ai ouï dire beaucoup de choses sur le jeu. Non, quoi? Pas cela, c'est des connards et je joue pas avec eux. Ils m'ont crié dessus, les gardes, sans raison. Merci, Vinou. Plus aigu encore, Lox. Merci, Vinou. Merci, Vinou.
Comment ça va, ma couille? Il y a un chat, Abin, tout près. Ça a été bien ton live? Tu faisais aussi du Assassin's Creed? Oh, merci pour l'avocado, Catholic, c'est trop mignon! Oh, morsion, c'est trop mignon! 40e abo offert quand même! Ah ouais, mais oui, mais t'as été fou aussi pendant le sabaton. Merci beaucoup! J'avance doucement. Moi aussi! Bon, là, je m'éloigne là, mais c'est parce qu'il y a des méchants. Au pire, je l'empoisonne. Eh, si je l'empoisonne, il fera pas son maninois, hein. Il y avait trop bâton. C'était ça bâton. C'était pas un bâton. Ah, il est sorti par la bite, celui-là. Merci beaucoup pour le follow. C'est... Mister Ibourbeau. Non. M. Ribourbeau, peut-être. Non. Monsieur Ribourbeau. Monsieur Ibourbeau. Merci. Merci Boubou. J'ai envie de t'empoisonner toi. Ah mais j'ai plus de munitions, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je sais ce que je peux faire, j'ai d'autres munitions. Quand t'attraperas la gale. Ah merde, je peux pas l'assassiner. Bon, c'est pas grave. Ah bah là je peux. Non mais j'ai rien compris ce qui vient de se passer. J'ai pu l'assassiner de face en l'ayant bien déclenché. Juste avant j'ai pas pu. Non, ça n'a pas de sens. C'est pas grave. Coupe mon lèvre et je te regarde. Oh, merci beaucoup, vraiment. C'est trop gentil. Attention, je suis peut-être plus loin que Vinou parce que je l'ai commencé. Allô? Parce que j'ai commencé le jeu avant. Donc s'il y a des gens qui veulent pas se spoil, qui sont peut-être un petit peu au même niveau que Vinou, ou voilà, et ben je vous le dis, je suis peut-être un peu plus loin. 4 points de compétence, ça monte vite. Ah, il fallait que je mette 4 points ou 5 points? J'ai bu. Ouais, bah j'en ai un à chaque fois déjà que je fais une synchronisation là de la map. À chaque fois. Compétence. C'est quoi que je voulais, moi, hein? Ah oui, c'était ça. Ah, vous voyez, c'est ça. Oh là, deux comptes, ça a l'air bien, ça. Donc attends, c'est juste, c'est l'esquive, c'est ça? Esquive en direction d'une attaque ennemie impossible à bloquer juste avant qu'elle ne te touche. Esquive, ok. Ok, très bien. Ça, ce sera utile pour les mobs comme lui. Oh, punaise, par contre, j'ai deux niveaux d'alerte sur 3. Pas grave, j'aurais zappé d'ici là. Ouais, bah c'est avec niveau du lore. Bon, ça va, en général. Moi, je lis un peu ce qui est écrit, mais sinon... Sinon, bah pour le moment, on sait à peu près, voilà, j'ai pas eu de gros plot twist, j'ai pas eu de trucs marquants qui se sont passés, ou de personnages, machin, voilà, qui a fait un truc, ou à qui il est arrivé à un truc. À part au tout début, pour le moment, on est sur un scénario assez classique, très classique même. Mais c'est aussi parce qu'on est sur un scénario qui sert le jeu plus que l'inverse, hein. Assassin's Creed, ça a plus pour but de nous plonger... Ah, des petits lags. De nous plonger dans un univers, dans une ambiance, et de nous... surtout, bah, le côté un peu historique mis en avant, machin. Et bah, de nous faire kiffer à voler, à faire... à voler, assassiner, avoir toutes ces scènes un peu classe. Mais on est rarement sur des scénarios ultra poussés, parce que c'est pas le but, quoi. C'est pas le but, en fait. Ouais. Ouais, falloir que j'arrache les affiches. J'ai jamais soudoyé encore les crieurs, mais bon. J'ai déjà l'épingle à cheveux qui m'a coûté 500 balles. Je pense que j'aurais pu m'en passer en vrai. Donc bon. Mais faut que je vende des trucs aussi, j'ai plein de trucs à vendre. Alors, excusez-moi. Hop. Toi, tu n'as rien vu. Nanana. Non, c'est pas moi du tout. J'arrache juste les affiches par pur... acte de contestation.
Voilà. Gratos. Comme ça. Habitants. Comment ? Puis l'inspiré de faits réels en plus. C'est toi l'inspiré de faits réels en plus. Et chaud cette fois. Oui, ça y est dit. Mille excuses. Les bons esclaves Zanch disparaissent. Et il ne reste que des incapables comme toi. Allez, file. Va me chercher mon thé. Je prends ça comme un compliment. Ouais. Ouais, de fou, en vrai. Je t'ai entendu mentionner des disparitions d'esclaves. Quoi ? J'ai plus de l'exploration. Et un peu la story. C'est un peu ce que je fais aussi. What ? Proposer un cadeau. Mais j'ai pas de cadeau, merde. Mais j'ai pas les jetons aussi, parce que c'est des coffres nuls qui m'ont pris tous mes jetons. Oh, fallait que je fasse un contrat, je l'ai pas fait. Bonjour, vous avez un cadeau ? Bon bah si vous avez pas de cadeau, je vous vole. Tu vas pourrir en prison. Oh ça oui. Je m'en vais. Trouver un moyen d'entrer dans les bonnes grâces de l'aîné de la maison du thé. La maison de thé, pas la maison du thé. Là, il y a quoi déjà ? Oh, il me saoule le crieur ! Inscrivez-les à la Mektep ! Oh, il est très chiant, il parle de maths en plus. Ensuite ? Non, mais en plus, il répète vraiment en boucle le même message. Normalement, les crieurs publics, il n'y a pas un délire de on a plusieurs messages et on les dit. Ce torchon est tout sauf artistique. Voilà, ça c'est fait. C'est toi l'infantile. Habitants, redoutez-vous les affres du Bimaristan. Amis voyageurs, et si vous tombiez malade sur la route ? Ah oui, non, c'est pas le même message. Je vais prendre le document qu'il y a au-dessus de ma tête. Si j'arrive à l'atteindre. Je vais mettre mon fort. Coucou! Alors, ça fait quoi? Ça glande un max? Ça bouffe des grenades et des poulets? Eh ben. Elle est où le document? Il y a quelqu'un de mort là-bas. C'est moi ça? Non. Enfin. Par contre. Il est juste en dessous. Ah oui, d'accord. Le document est juste en dessous. Alors je sais pas ce que c'est ce document. Je sais plus pourquoi c'est. Si c'est pour le gars des livres peut-être. Mais non, c'est un autre symbole. Ah putain, quelqu'un de mort! La meuf qui est chaude. Comme si dans le jeu j'étais pas responsable de 1000 morts. C'est une énigme! Oh! Je regarde direct! J'aime trop les énigmes. Même si on en a une impossible à déchiffrer. Pfff. Ah, y'a Cthulhu en plus sur le truc. Qu'est-ce que. What? Il y a un triangle. C'est chaud un peu là. Hein. Si on voit que Toulouse c'est pas loin. tu prends Toulouse, tu vois que Toulouse, tu prends à droite. Voilà. À gauche pour vous quoi. Tu... Attendez, je vais regarder la map. Ah, mais attendez, là, des sortes de ruines là-bas. Non, mais c'est indéchiffrable. Hein. Des sortes de ruines, oui, bah, y a plein de sortes de ruines partout, un peu, en fait. Mais genre là, c'est quoi ça ? C'est quoi, comment ça ? C'est bizarre ce petit point, non ? C'est peut-être là, hein ? Ah, mais attendez ! Est-ce que ce serait pas ça ? Cthulhu. Est-ce que ce serait pas ça? Ce serait genre le poulpe? Bof, je sais pas. Et là, il y aurait des sortes de ruines. Je sais pas, peut-être. Hein, je dis ça sans trop de...
dis ça sans trop de conviction. Il y a vraiment, franchement, les ruines sont désastreuses. Non, mais il n'y a rien, il y a vraiment. Il n'y a pas plus d'indices que ça ? D'indices. Tu fais un triangle depuis Cthulhu, en gros. Donc, si je fais un triangle depuis Cthulhu. Hop, c'est genre là. Peut-être là. C'est rien du tout. Bon, on va essayer de faire la quête ici déjà. Venez assister à sa présentation devant sa porte. Demain soir. Faut prendre l'appel de Cthulhu. Habitants, vos repas. J'ai l'impression qu'on n'est pas totalement sur les bonnes théories là. Un feeling. Feeling comme ça là. Mais tu devais sauter dans le tas de feuilles. I am the caliph. Mais montez ! Je reviens de là-haut et j'avais pas vu qu'il y avait un point d'exclamation. Alors, à collecter. Un acteur de thé trouverait cela irrésistible. Oh, en même temps, on vient de piquer du thé qui vient de chez lui. Alors lui proposer un truc qu'il a déjà, c'est pas la meilleure strat, hein, mais je tente. Pardonne-moi d'insister, mais tu as mentionné des esclaves disparus. Point d'interrogation. Tu veux vraiment que exactement. Il peut être ce qu'il veut, le point, tu sais. Tiens, le cadeau. Justement, un homme de goût. J'aimerais t'offrir un paquet de. Un homme de goût. Change d'un peu de ton temps. Je t'ai dit. Attends. Du thé. D'accord. Mais fais vite avant que quelqu'un ne m'aperçoive en train de te parler. Alors. Tu as parlé de la disparition d'esclaves Zen. Au pire, je me sable bien. Je ne vois pas en quoi cela te regarde. Mais oui, un étranger, un de ces rebelles est venu ennuyer les esclaves. Après avoir discuté avec eux, ils ont disparu. Il était certainement en lien avec ce fauteur de troubles d'Ali ibn Mohammed. C'est tout ce que je sais. Maintenant, déguerpis avant qu'on ne remarque que je m'adresse à quelqu'un comme toi. Ouais, mais bon. Est-ce que t'as vu mon téton ? Tu dirais pas ça si tu l'avais bien regardé en face. Je peux littéralement dérober une esclave. J'ai rien eu. J'ai volé un porte-monnaie vide. Ah, les clients de la maison. Ok, j'y vais. Bonjour, clients de la maison. Non, je pars ici. Écoutez-moi, habitants de Bagdad. Ouais, bah on fait que ça, t'écoutais. Ça va, ouais. Merde. Oh putain, je peux pas faire ça. Oh là là, t'imagines, tu vis là, t'as un mec qui gueule sous ta fenêtre, mais genre tout le temps. C'est level mec bourré dans la rue à 3h du mat, mais genre à toutes les heures du mat, et de la nuit, et de la journée. Sont les clients de la maison du Tse. Ah, là. Ah non, toi t'es un mec que je peux buter. Ah mais ça c'est un client de la maison du Tse. Ah oui, ça c'est un cadavre. Il semblerait. Tu es au travail. Et qu'est-ce qu'on récolte? Rien. Une cuite. Des esclaves. Je les traite bien. Hein? Je les paye bien. Je les nourris. Et ils s'envolent. Plus personne pour faire le travail. Si je le fais dessouler, peut-être en dira-t-il plus. J'ai l'impression que c'est un rapport avec cette flotte. Oh, il me laisse même pas le mettre dans la flotte. Oh non, je voulais le faire moi-même. Une maison de thé n'est pas le meilleur endroit pour boire. J'avais fait quoi, là? Ah oui. Assez d'ennui. Tu as dit que certains de tes esclaves s'étaient envolés. C'est vrai? Je ne m'en souviens pas. Ils ne se sont pas envolés, ils ont disparu. Les gens. Bon, sans doute. Pas comme ça. Ah, y a que Toulouse dans le coin, attention. Hein. Hier soir, deux des miens ne sont pas revenus des champs. Personne n'a rien vu. Ils ont disparu. Même pas Didier. Alors ça t'a donné l'idée d'aller t'enivrer dans une maison de thé.
Eh bien... Le mec, il est bourré avec du thé. Oh, le faible. Écoute, ne dis rien à personne. Je vais rentrer cuver chez moi. Hé, hey, toi, par ici. Tu veux quelque chose? Pas ici. Il y a trop... trop d'oreilles. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, Saïdi. Nous gardons nos meilleurs thés à l'arrière. Il n'y a personne, hein? Si tu veux donner la peine, suis-moi. Fais mine de rien. Bon, je peux comprendre, je peux comprendre. En vrai, il y a des terrasses et tout, ne sait-on jamais, quoi. De caféine rend ivre, inspiré de fées clochettes. Bon, tout va bien. Bon, nous sommes apparemment seuls. Qu'est-ce que tu veux? Ah, cette vanne qui commence à être tellement modifiée là. On ne sait jamais qui peut observer. Et je dois dire que j'ai trouvé ça assez exaltant. J'ai vu ta ceinture rouge et t'ai entendu parler d'esclaves absents. Ceinture rouge, moi? Un autre a disparu d'une ferme près d'ici. Comment as-tu appris ça? Je suis un ami de la famille. Le mari fait partie de ceux qui ont été exécutés. À présent, le fils a disparu, lui aussi. Sa mère est folle d'inquiétude. Je me suis dit que tu pourrais peut-être l'aider. Dis-moi où se trouve cette ferme. Un peu à l'ouest d'ici. Là où il y a Cthulhu? Les esclaves sont assez méfiants, mais si tu lui apportes ton aide... Je prendrai cela comme un service personnel. C'est peut-être tout en ruine là-bas, exactement ce que je dois trouver. Et lui annoncer ce que j'ai découvert. Qui ça? Oh non, on va pas se faire des allers-retours, on y va. Ah, arrête. Ah, s'il faut faire... Ah non, 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 c'est juste là. Ah, ça va, ça va. Donc on est voir Ali. Ah, je pensais qu'il était loin. Je pensais qu'il était au bureau des assassins ou je sais pas quoi. C'est vrai que c'est pas un assassin, lui. Il n'a pas de raison de nous attendre au bureau. Donc ça, pour ceux qui se demandent, c'est juste des petits points de l'or. Plus, en fait, des petits points historiques qu'on peut lire dans le codex. Cela ne fera que nous causer plus d'ennuis. Encore plus d'ennuis que les exécutions. Oui, t'as raison, catholique. Ils ont massacré nos frères. Comment fais-tu pour ne pas comprendre? Ali, que se passe-t-il? Ce n'est pas ce qui était convenu. Je fais ce qui doit l'être. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Tu as découvert quelque chose? Des esclaves ont disparu de tout Jajaraya. Et même d'une ferme voisine. Je vais y aller, et tâcher d'en apprendre davantage. Bien. Notre ami ici présent a passé ses matinées au port à discuter avec quelqu'un dont nous pensons qu'il renseigne le calife. Tu pourrais trouver cet informateur et le... Ah, c'est vrai que Ali, tu vois, là j'ai moins l'image de celui de Disney. Pendant ce temps, Béchi et moi... Et tellement bad vibes, ouais, non mais... Celui-là. Je pense qu'on va l'affronter un moment, c'est sûr. Nous verrons cela. On l'a senti dès le départ, de toute façon. Là ou l'autre, dont j'ai oublié le nom, là, qui était avec nous. Lui, je le sens bien. Et aider la veuve à retrouver son fils disparu. Ouais, super. Oh, ça rigole, hein. Oh, ça rigole. Je suis trop près du port. Je ferais mieux de partir et revenir plus tard. Oh. Voilà le port. C'est là que doit être l'informateur. Il est censé être là. Hein? Il n'est pas là. Tu es informateur? Ali a dit qu'il venait le matin. Il va me falloir attendre. Comment temporel? Mais comment je sais qu'il est le matin? Oh, la lumière doit être un bon indice. C'est le matin, ça? Ouais. Tant pourquoi, je me le demande. Oh, merde. Je ferais bien de le suivre, mais en restant discret. Suivre qui? Il est où? Te voilà. Reste à lui. De suivre maintenant. Ah non, pas Nihal. Non, non, le gars qui était avec nous aussi, on a aussi aidé ses hommes. Toi, reste là. Oui. Je reste là. Je crois que c'est parce que j'étais en bas d'escalier, du coup, il pouvait pas descendre. Pas tout suivi. Ouais, mais je sais plus les noms en plus, donc ça aide pas. Non, Nihal, pour moi, elle est totalement... Elle fait totalement partie de l'ordre. Bien. Et Ali, je sens bien qu'il va nous trahir pour un truc. D'accord.
Il va tout niquer, il va plus niquer une... Je pense qu'il va... Il va foutre en l'air une quête, enfin un truc, un objectif lui. Mais Nihal, elle, elle est complètement dedans, c'est sûr. Je suis accroupie. Hey, toi, je suis accroupie. Oh, les anguilles. Elles ont une dégaine. Je ne te vois plus. Ah, si, si. Oh, Juju, on voit de fou un petit effort, là. Basim, le presbyte. En vrai, je sais pas. C'est... Oui, c'est presbyte, c'est ça. Quand on voit, pas de loin. C'est où, Cloupy? Cloupy, c'est l'eau. On dit de l'eau croupie. Myop. Ah, c'est myop. Ah, c'est myop. J'ai des lunettes, mais je sais pas ce que j'ai. J'ai de nouvelles informations. Me voilà. Je suis discrète. Marche dans l'eau. Ça s'entend pas trop en général. Voilà, halt. Va-t'en d'ici. On m'avait repéré! Bon. Oh, je sais. J'ai de nouvelles informations. Reste où tu es! Mieux vaut être minutieux. Mais qu'est-ce que... Chut. Qu'as-tu c'est bon. En dehors du jeune esclave dont j'ai déjà parlé, il y a quelqu'un à Jar Jar Lai et à Kifuin et pose beaucoup trop de questions. Mm-hmm. Est-ce celui dont on a parlé l'autre fois? Le dénommé Béchi? Non. Ça va, ça passe, ça passe. Personne ne semble savoir quoi que ce soit sur ça, lui. Ça, ça, ça. Qu'allons-nous faire alors? J'ai des lettres pour le chef et tu me fais perdre mon temps. Reviens quand tu auras un nom. C'est temps qui passe. Faut que je suive encore. Allez, avance. Faites semblant de rien. Faites semblant de rien, tu dis ça à un garde. C'est bien ça. Bah, s'il faudrait que tu te déplaces pour ça. Il fait rien, faut que je le tue. Ah, mais c'est bon en fait, c'est fini. Oui, d'accord. Ah, faut que je retrouve le fils de la veuve. On se fond dans le décor là, qui imite le cri du carrefour. Je suis surprise. C'est le cri de la surprise, mais effectivement, si je faisais un ah, bon bah tout de suite. On est un peu... Voilà, on est un peu obvious. Alors que le cri délicat du corbeau à 8h du mat' sous ta fenêtre, ça je sais faire. Trouvez la veuve. Elle est où la veuve? Échange de quête un peu mieux. Non, non. De quoi vraiment? J'ai changé de quête là? Non, 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 c'est la même quête. Voilà, le... Ah, faut que j'ai trop... Ah merde! Faut que je détrousse ce soldat. Non mais j'avais pas... J'avais pas lu, ça m'affichait pas.
Ah non, je pensais que j'en avais fini avec lui. Genre, j'ai eu l'info, c'est bon, tu vois. Une minute. Mais non, mais il y avait rien affiché en haut à gauche, si? Je crois pas, hein. La goum qui s'enfile. Ah! Je me fais peur. Que dalle. Ah! J'ai sauté comme une merde. Dans les broussailles. Into the broussailles of the brush. Oh non mais, me donne pas, hé, hey, je dois te détrousser, ok. Ah. Moi aussi je te jette des trucs. Oh merde. Les fumigènes atterrissent dans l'eau. Ouais, bah pareil. Tiens. Ah, arrêtez, vous m'enlevez ma vie. Tiens. Hop là. Tu ne peux pas fuir. Tiens. On n'est pas armes égales. Parce que je t'ai fondu vite. Qu'on va expliquer. Quoi? J'étais au max là, hein. Mais pourquoi j'ai mis tous? Ça, c'est le PDC, ça. Allez! Ah! Il est lunaire ce jeu. Oh, il est drôle. Recueillir des informations pour quelqu'un du nom de... Mon saoulé. Dohan bin Arslan. Il faut que je trouve ce Dohan. Comme sur des rollers. Mais avant, je dois aider la veuve dont le fils a disparu. Oui, voilà. C'est ça que j'ai essayé de faire. Le sage, il m'a dit oui, n'importe quoi, blablabla. Alors c'est là qu'il faut que j'aille. Ah non. C'est mauvaise quête. Voilà, trouver la veuve. On va trouver la veuve. On va trouver la veuve, trouver son fils. Aken la veuve sera plus veuve. Voilà. Ah. Mes gémissements à moi, ils sont plus charmants. C'est Kid Friendly ici. Ah non, Assassin's Creed, de toute façon, c'est pas Kid Friendly. Hein. Peggy 18. Oui, normalement, il y a écrit « Ce contenu est déconseillé, machin, machin, peut contenir violence, grossièreté, téton en gros plan, téton sur toutes les coutures. » J'y peux rien. Hein. C'est le jeu, il est comme ça, c'est pas moi. C'est le jeu, c'est pas moi. Alors, elle est où, veuve? Petite veuve, où es-tu? C'est toi, veuve? J'espère pas, hein. Ah, excusez-moi, je suis un RP pétasse de fou. Ah, c'est par là-bas. C'est là-bas, faut parler à veuve.
par la veuve. Trop tard, je suis traumatisée. Mais non, petit buisson. Lui aussi, je ne peux pas le perdre comme son père. Peut-être qu'il est à l'abri quelque part, qu'il s'est perdu. C'est laquelle de vous, veuve ? Il est mort. Je n'ai pas pu ramasser de fleurs pour les funérailles de mon mari. C'est pas grave, regarde mon téton. Je n'ai plus de fils. Je dois être au bon endroit, pauvre femme. Pardonne-moi. Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu veux ? Mes excuses, je ne voulais pas te surprendre. J'en étais sûre, c'était facile, arrêtez ! Oui, RP, ça va ! Je suis trop adorable dans la vraie vie, c'est fou. Je ne te connais pas. Tu as besoin de fleurs pour les funérailles de ton époux. Regarde mon téton. J'ai moi aussi perdu des proches. Et sans pouvoir les enterrer. Ce serait un honneur si tu me laissais faire pour toi ce que je n'ai pu faire pour mes amis. Je vais te trouver des fleurs. Je suis affalée un peu. Marie m'apportait souvent du poulet au blanc. Si tu en trouves, je les laisserai sur sa tombe après l'enterrement, en guise de dernier présent. Alors compte sur moi. Ces fleurs ne doivent pas être loin. Je dois les chercher. Mais on ne veut pas retrouver son fils, maintenant on a abandonné l'idée, c'est bon, c'est sûr, il est mort. Oh, lapin. Il est pas rapide, hein. Ok. Mec, ils zouquent les veuves, bah bravo. Quoi ? Moi, je les ostracise pas, moi. J'étais inclus. Oh ! Ça cramax de fou ! Ah, c'est peut-être là où il y a Cthulhu. Cela ressemble aux fleurs que je cherche. Sont des fleurs magnifiques. Mes amis auraient approuvé. Hop, tu skips. Oh nul, les serpents. Attendez, je vais regarder. Je vais regarder l'inventaire. Le sac. Non. C'est trop encore sur pied en fait. C'est pas assez en ruine, bizarrement. Ah ou alors c'est là. Oh ! Je pense quand même pas. Bon, capture d'écran T. On va le capture d'écran T. Voilà. Bon, bah c'est pas là. Enfin, je pense. Ah, attendez. En vrai, c'est peut-être ici, c'est peut-être l'arbre qui est là. Je vais regarder. Ah non, c'est là d'où je viens, enfin, Lox. Un effort, là. Non, bah non. Bah non, bah non, bah non. Non, 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 non. Ou alors, je suis là, là-bas. Mais oui, non mais je sais, le dessin est affreux, je... Non plus, je sais pas quoi en penser, je vous avoue. Compliqué. Compliqué. Mais bon, ici, il y a tout en ruine. Oh, c'est là. Non, pas du tout, hein.
pas du tout là, vraiment. On dirait pas mal, hein. Non, mais attendez, attendez, attendez. Attends, je vois rien, je comprends rien au dessin. T'as mal, petit Bloody, du coup tu t'es levé. Peut-être celui-là. Peut-être bien, il ressemble pas mal, mais ils disent qu'il y a une croix. Et qu'en fait, c'est pas vraiment sur la croix. Non mais ça a l'air d'être un peu en hauteur donc ça doit pas être ça. Par contre le modèle d'arbre il ressemble. Ça doit pas être ça. Lui c'était pas bon c'est sûr. Bon bah je sais pas, c'est peut-être là. Ou peut-être qu'ici. De toute façon j'ai fait tous les arbres dénudés. Il y a un puits. Peut-être dans le puits. Non, bah je veux mon aloe, hein. Oh, qu'est-ce qu'il y a, petit chat? Miaou. Il y a un chat est coincé? Oh, mais t'es tout perdu tout seul, bébou. Je te suis. Non, tu veux pas que je te suive, peut-être. Qu'est-ce qu'il y a, chaton? Ah oui, un serpent. Il te fait peur? Là. Ok, je vais essayer de tuer le serpent pour voir si c'est ce qu'il veut, le chat. Des œufs, serpent. C'est pour le chat. Oh oui, c'est ça que tu voulais, chaton? Ok, je te suis, pas de soucis. Franchement, en vrai, j'ai un d'autre à foutre, hein. Ah, un autre serpent. Je le tue? Je le tue? Je te le tue? Ouais, je le fais, je le fais. Ça va, sinon? Ça fait quoi d'être un chat, ici? Du corps pour chat. Bah il me l'a demandé. C'est la quête d'escorte la plus adorable que j'ai vue de ma vie. C'est vous madame, il y a un chat. Merci vraiment. Je vous en prie. Tu as ramené son chat, c'est ça? Elle m'a dit merci la dame. Mais je peux avoir un cadeau au moins pour avoir ramené le chat? C'est toi, c'est pas un mirage? Oui, je suis moi. Et toi, tu es toi, silence? Il est beau le chat en vrai. J'aurais bien aimé le caresser au moins.
J'ai ramené un chat, les gars. J'avais un cadeau pour moi. Attendez, je vais revoir le chat. Peut-être que lui, il sort. Mais oui, tout le monde sort inspiré de faits réels, c'est foutu. C'est foutu. Bah c'est tout, il y avait que ça vraiment, il y a autre chose que je dois comprendre. Ah, oh, je suis si triste, ils auraient pu faire un truc stylé avec cette histoire là de ramener le chat. N'empêche, le chat est toujours pas normal, on peut toujours pas le caresser. Il va te ramener un demi-lézard sur l'oreiller, effectivement. Ça sent le vécu. Deux os, ça gratuitement. Pensez qu'il faut tuer la dame? Non, quand même pas. On tue pas les inos. Bien joué. Enfin, sauf les gardes. Dans le dos. Arrêtez! Du coup... C'est lui qui lol. Qu'est-ce qu'il y a, petit qui loul? Qu'est-ce que tu t'arrives-tu? Oui, faut que je tue la dame? Non, quand même pas. Ce serait quand même bizarre. Ça n'aurait pas de sens en vrai. Non mais ça c'est le truc ou je sais pas. J'aimerais mettre une marque ici. Si je me mets à moitié en colère parce que mirage. Parce que mirage? Les mirages ça met en colère? Attends, dans ces obus, non, il y a des couteaux. Comme le premier, en fait. Il y a des couteaux de lancer. Alors, je me rappelle plus s'il y avait des couteaux de lancer dans le premier. Je sais pas ce que je fais avec ça. Mais je vais lui proposer au chat, peut-être qu'il sera content. Tiens, le chat. Délecte-toi. Tu veux pas? Et vous, madame, vous avez rien d'autre à raconter? Oh, ça me frustre! Y'a que ça, quoi! Bon, bah, je m'en vais. Hein. Je devais retrouver des fleurs pour une veuve. Ah, mirage, mi-drôle. Ah, d'accord. Putain, j'avais pas le jeu de mots! J'avais pas le jeu de mots! Ah bah il est 4h10 hein. C'est plus compliqué les jeux de mots. Mais je l'ai bien aimé. Ginger gna. Votre avis, tu tues la femme pour le chat ou pas? Ce serait bizarre, non je pense pas. Avec ma compassion. Ces fleurs sont si élégantes. Mon époux les adorait. Merci. Mais fallait pas retrouver son fils? Que je puisse faire pour toi. À la meuf? J'essaie de découvrir qui emmène les esclaves de Jar Jaraya. J'ai pas compris. Je sais que ton fils a disparu. Oui. J'ai déjà perdu son père. Je crains de ne pas m'en remettre si je le perds aussi. Peux-tu me dire ce qu'il faisait exactement avant de disparaître? Quand
Quand son père a été emmené, cela l'a rendu furieux. Il a commencé à sortir la nuit. La dernière fois, truc de mec furieux. Il n'est pas revenu. Je vais enquêter. Quelque chose m'apprendra peut-être ce qui s'est passé. Oui. C'est possible. Ouais, j'essaye d'interagir avec Oh. Je trouverai peut-être des traces. Avec le sol. Non, j'essaye d'interagir avec les dialogues, mais j'ai rien à dire parfois. Du coup, je fais comme Basim. J'enfonce des portes ouvertes. Faut que je suive les traces. Le coup du chat, c'est bizarre quand même. Il y en a qui l'ont fait dans le... Enfin, pour ceux qui ont peut-être fait le jeu. Non, Master, là, de toute façon... ils ont une vie... Je vais pas marcher par contre, hein. Pas déconner. Je vais glisser. C'est vachement long. Ça ne manque pas par ici. Les traces mènent à ce petit bâtiment. Je dois c'est toi le petit bâtiment. Ah oui, il y a un document, ok. Bah, j'ai déjà ouvert tout. J'ai vu des mercenaires entrer et sortir de cette ferme. Il doit s'agir de ceux qui ont emmené le père et les autres. Je vais y aller ce soir pour voir ce que je pourrais découvrir. Je laisse ce message ici au cas où je serai moi aussi capturé. Je regrette d'avoir à te désobéir, mère. Mais Béchi a raison. Nous devons nous battre. Oh, ok. À sa mère de ce que j'ai découvert. Ça a cassé du cul. Bon. Ça, moi, je sais faire à partir du moment où faut pas... Où je peux utiliser mon super pouvoir qui tue tout le monde. Le chat, faut peut-être que... Ouais, je lui apporte un truc à manger. La meuf qui est en boucle. Il veut sauver le chat. C'est quoi par terre? Ah punaise, c'est une bouteille. J'ai trouvé un message de ton fils. Il était à la recherche des hommes qui ont emmené son père. Oh, quel écervelé! Il parle d'une ferme à proximité. Sais-tu à quoi il fait référence? Mais il est vraiment mort le père du coup? C'est la ferme de Dohan. Elle grouille de mercenaires. S'il y est allé, je t'en supplie, retrouve mon fils. S'il est en vie... Elle a bien les yeux du désespoir. Tu as ma parole. La ferme de Dohan sera bien gardée. Je dois retourner voir Ali et parler de ce qu'il faut faire ensuite. T'as pas dit que le super pouvoir tu utiliserais pas? J'ai jamais dit ça de ma vie. Je même jamais parlé de ma vie, je crois. Donc c'est impossible de dire... voilà, tu dis des mensonges. Si on ne parle pas... on peut pas dire des choses. Non, ce que je veux dire, on peut pas, si on ne parle pas, on peut pas déclarer qu'on fait ceci ou cela puisqu'on ne parle pas. Moi, j'ai jamais parlé de ma vie. Ah, te revoilà enfin. Oh, il l'a éclaté. Qu'est-ce que tu as fait? Bah oui, bien sûr qu'il l'a tué, c'était sûr. Ce que j'avais à faire. Est-ce là le visage de ta liberté? Je ne suis pas ton credo et n'obéis pas à tes chefs. Regarde. Ça, c'est le prix de la guerre. Béchi désapprouverait. Ce n'est pas Béchi qui dirige cette rébellion. Il a son rôle et moi le mien. Assez parlé. Qu'as-tu découvert? Il en a rien à foutre. Les esclaves en question ont été emmenés sur ordre. Moi, j'assassine, mais... gentiment. Lui, il assassine méchamment. C'est la différence. Mais j'ignore quoi? Moi, je sais. Celui-là a dit que mes hommes étaient interrogés avant d'être exécutés par son chef, dans la villa. Ali. L'informateur a mentionné le nom de Béchi. Ils le recherchent. Ils peuvent toujours. Va libérer mes hommes. Je vais préparer une attaque contre la villa. Quand tu en auras fini, retrouve-moi près de la ferme. Mmh. Oh ouais, dans une mare de sang quand même, hein. Non mais nous quand on fait ça gentiment. Bon, alors c'est bien que je fasse tout ça, mais le problème c'est que niveau munitions et tout, ça commence à être compliqué. Mais bon, c'est un peu plus marrant. Quand on n'a pas trop de munitions. Pardon, réflexe! Pas fait exprès, pas fait exprès! C'est mauvais ça. Je te tiens!
tu tiens 0, ouais. Alors tu fais quoi maintenant? Ah! Il y a juste un caillou! Tite-toi, le mouton de grec! Je vais t'enterrer! Ah, les mains, 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 les mains! Oui! Allez! Ça m'a l'air d'être la ferme où sont retenus les hommes. J'aime bien qu'il dise ça dans la paille. C'est donc ça, la ferme où sont retenus les hommes. J'ai le droit de chanson. Eh, c'est juste un mec qui allait dans la paille. Ça peut pas être quoi hurler non plus. Ça va pas, non? Les PNJ sont en Drax, hein. Alors qu'en vrai, en ma présence, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et que la paille qui lui rentre dans la bouche, pas clairement, et les bestioles dans la paille. Ah merde, non, 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 je savais pas, je savais pas. Je savais pas, je savais pas, je retourne dans ma paille. Oh, ça va, je suis poursuivi pour rien là, ça rend ouf. Oh, j'ai fait un demi-pas, même pas en plus, j'ai été devant la zone interdite, j'ai même pas été dedans. Sous les tous, vous savez quoi? Sous les tous. J'ai quoi comme truc? Putain, j'ai pas de couteau, j'ai pas de merde. En pas grand chose. Se fondre. Ah oui, tiens, c'est vrai. Là, je me fonds de fou là. Oh, va falloir que je les bute, je sens. Sinon, ça va bloquer. Ils vont pas bouger. Désolé, j'avoue, flemme un peu. Flemme de faire 15 allers-retours. Hello Willy! T'es un peu trop tard là. As-tu... Bah disons que... Il est possible que tu arrives... Quand même plus à la fin du live actuellement. Possible. Après Google, si tu tournes 47 fois autour du chat dans ton sens tireur, il ne se passe strictement rien. PS, ne surtout pas taper Google sur Google. Oui. Je sais. Sinon on casse internet. Je sais. J'ai vu ce reportage. Hey. Comment ça, hey? Comment ça, hey? Ah oui, hey, pour ça, oui. Il est vrai qu'il y a des cadavres. Hey, qu'est-ce que... Sur Genshin et je fais un petit live parce que je m'ennuie un peu. Bah attends, t'es sur mon live en même temps que tu stream toi? Mais les gens sont fous. N'hésitez pas à passer sur ma chaîne du coup. Bah non, ils m'entendent pas du coup. Bah si, c'était sur mon live. Mais non, mais focus-toi sur ton stream, enfin. Mais c'est gentil de passer, en vrai. C'est très mignon. Et puis, bah, j'espère que ta nuit se passera bien. Bon, vu l'heure tardive, on est plus sûr de la matinée. Bon. Faut que je les tue ou faut que je les libère, eux? Les couleurs sont toujours dans les tons rouges. Oh, je peux me cacher dedans, c'est rigolo! Comment tu te faufiles là-dedans en vrai, quoi? Oui, oui, bah je viens de dire.
J'ai une idée. Ah, vous auriez pu faire... Attends, vous avez vu la dégaine de la cage? Vous auriez pu faire un effort, hein. Je veux partir. Ali attend à l'extérieur de la ferme. Dépêchez-vous. Allez. Le fils de la veuve, il n'est pas là. Et 80 la Snoop Dogg, vous l'avez? Moi, j'ai pas de Snoop Dogg. Secourir en général, c'est libérer, pas tuer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que les méchants sont en rouge et les mobs à libérer sont en orange très rougi. Donc parfois, je suis pas sûre. S'il y a pas les deux dans le même champ de vision, je me dis, attends, ça c'est les méchants ou c'est les gentils? Ils auraient dû mettre les gentils en... Je sais pas, en bleu? En vert? En vert, toujours la couleur des gentils, le vert. Bref, pas en orange. Quand t'es daltonien, tu fais pas la diff. Hein. Quand t'es pas daltonien, bah tu doutes. On a toujours un me saoule, je vais aller faire un footing. Ouais, logique, réaction, Bloody. T'as pris un cacheton ? Pas en mode daltonien dans le menu ? Si, je crois. En général, niveau accessibilité dans ce jeu-là, y a pas mal d'options. Secourir les rebelles captifs. Ah, j'ai pas fini. Il y en avait d'autres. Ah non, c'est là-bas. C'est d'où je viens, c'est ça. J'aurais aimé te suivre en vrai parce que je m'ennuie à mort. Mais pourquoi tu joues à Genshin si ça t'ennuie? Joue à autre chose. Joue à autre chose, en vrai. Ou fais autre chose, quoi. Effectivement. J'ai appris. Et faut pas rester sur un jeu en boucle si vous ennuie les gens, hein. Vraiment, hein. C'est pas le but d'un jeu vidéo, normalement. Oh, je me saoule, j'y joue plus. Maintenant, il va connaître la même fin. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Hey! Arrête l'autre jour et qui a pris 4 jours pour un boss. Ah ouais, mais en même temps. En même temps, Lies of P, oui, bon, j'avoue. Mais c'est pas de l'ennui quand tu galères sur un boss. C'est que t'as trop les glandes pour pouvoir le laisser gagner. Et du coup, tu. Voilà, au bout d'un moment, ça devient une affaire perso. Mais c'est pas de l'ennui au moins. Quand tu réussis ce que tu fais, bah t'es content. Une minute. Mais quand tu t'ennuies sur un jeu, bah c'est que tu gagnes ou que tu perds, ça ne te fait rien. Et juste, tu joues parce que, bof, t'as que ça. Mais en vrai, il y a plein de jeux. Hey, jouez à Disney Spitzer, mais il est gratuit si vous voulez un jeu avec du fun. C'est comme un Mario Kart. Bah sinon, Mario Kart, c'est très bien, mais il faut avoir une Switch. Mais c'est comme un Mario Kart, mais voilà. Il pleurait, je suis presque sûre. Mais oh, Poucaf Pali, oui, là. Non, mais oh, ça commence à dire, ouais, le streamer, il a chialé. Attention, hein. Il chiale s'il veut, d'abord. Faut que ça fasse effet, le médoc, oui, c'est vrai. Que de mieux de l'ox pour l'ox. Ça fait un peu schtroumpf comme ça. Tu l'ox? Oui, je l'ox tous les jours. Quelle horreur. Mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas. J'ai l'oxé toute ma vie. Hey, qu'est-ce que c'était? Repose à présent. Ah, il va pas bouger lui. Ah si. Je suis Poucaf que dalle, je fais ça par amour. Oh ouais, par amour, ouais. Laisse-moi te donner de l'amour. Ah merde,
merde, j'aurais pu passer par la porte. Oh merde, j'aurais pu le tuer lui. Je le tue d'abord. Je flemme un peu. Ensuite, on fait ça, on loot. Parce que peut-être que je vais trouver les trucs qui manquent. Mais attendez, je loot plein de trucs et je chope que un dé. C'est nul un peu. J'ai looté plein de trucs. Un effort un peu. You. Oh, que relou. Bon, j'aimerais bien un peu de loot. Ah, mais il y a du monde là-dedans. Je pensais pas. Ah, j'ai bien fait de pas rentrer à l'arrache tout à l'heure. Ah oui, il y a des... Alors, il y a un méchant, il y a des gentils, il y a un autre méchant, mais ça, c'est un autre méchant qui est dehors. Il faut que je tue le méchant dehors. Ah, mais si je siffle. Merde. Bon, vite. Merde. C'était presque bon. Franchement, ça passe. Ça passe. Je te libère, humain. Qui attend ton retour? Elle attendra encore. Ils ont tué mon père. Je vais me battre aux côtés des autres. Ouais, super, si j'avais su, je t'aurais pas libéré. Hein. Alors soit. Tu as tellement décédé. Il n'y en a plus. Je dois retrouver Ali. Pourquoi tu dis le mieux comme le vieux qui gueule je veux faire l'amour? Si ça me fait rire. Toi aussi, garde bien ton équilibre, notamment alimentaire. Les fibres, c'est important. Oui. Comme une ombre en plein jour. C'est bon, je suis pas enfui. Merde, ça vous suit. J'ai presque bien fait ça, t'as vu? C'était presque nickel. Moi je vais faire du kill. Non, en vrai, moi j'essaierais plutôt réellement d'être discrète. Hein. Si j'en avais les capacités vidéoludiques, je le ferais. Hein. J'ai l'impression que je suis aussi discrète dans ce jeu que quand... je vais regarder à la fenêtre qu'il y a sur la porte de ma chambre pour voir si mon copain dort et que je me cogne sur la vitre et que du coup bah il dort plus. J'ai la même discrétion dans les jeux. Sur où? Ok. Dieu que Dieu! Et Dieu est grand! Vite! Oh là là! Dohan Binance! Le fameux bon qui! On attendait plus que toi. Les kills par réflexe. Ouais, mais ça c'est pas pareil, ça c'est pour pas perdre la main. Allons-y. Ils vous ont arraché de inspiré de Ferrel? Oui, un peu là pour le coup. Libre et amené ici pour mourir au travail dans les champs. Ils ont massacré nos frères comme. Moi aussi je peux avoir un arc. Charkia. Et maintenant, ils ont fait d'autres prisonniers. Non! Plus jamais ça! Je vous ai promis une nouvelle vie. Je vous ai donné ma parole. D'autres nous rejoignent chaque jour. Des plus modestes aux plus illustres des Bagdadiens. Allah est avec nous. Notre cause est juste. Notre justice. J'ai l'impression d'être un peu ignoré, là. Dieu. J'ai l'impression d'essayer de suivre une bande de potes, mais sans qu'on se connaisse. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Oh. Dieu est grand. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Il n'est d'autre Dieu que Dieu. Il n'est d'autre Dieu. Dieu qu'il est Dieu, il fait des trucs de Dieu. Il a Dieu. And everybody calls him le Dieu. Ah, vous avez commencé sans moi, moi j'en ai marre de votre laïus, les gars. J'en avais marre. Arrête! Je fais pas partie de ça, moi. Je ne fais que m'infiltrer. Ah non, faut que je tue. Ah, arrête!
Tu trop mais ah j'ai essayé mon truc. Ah mais ça a pas marché, j'ai essayé d'esquiver sur lui. Nice, ok, c'est stylé. C'était un combat un peu minable, mais j'ai pu essayer mon nouveau coup spécial. Faut que je fasse un truc. Je veux un compte-rendu complet de tes progrès cette semaine. Almacha en particulier a des questions à propos de l'étranger qui met son nez partout à Djajajajara. Depuis peu. Je t'invite pour ton propre bien à te démener pour trouver les réponses. Plus encore que... Y'a un chat ! Oui, je vais te suivre ! Plus encore que moi, Almacha déteste être déçu. Nous t'attendons, comme l'accoutumée, dans la maison de l'officier de Shakira. Ok. Elle est encore plus pouilleux que les autres petits chats. Toi aussi tu ne veux. Parlez à Ali, bah il me snob total. Quand la nouvelle de cette victoire se répandra, beaucoup se rallieront à notre cause. Dohan bin Arslan avait sur lui des ordres. Mm-hmm. Il devait rendre compte à des supérieurs à la maison des officiers de Sharqiya. Ce sont peut-être... Ah, c'est comme ça qu'on prononce. ...donner les exécutions. J'étais pas loin. Y a-t-il des noms ? Seulement des codes. Al-Rukh et Al-Aishma. Il n'y a que l'ordre pour employer de tels noms. Je vais aller à cette maison voir ce que je peux trouver. Je te souhaite bonne chance. Moi, je dois repartir attendre Béchi. Prudence, Ali. Après cette affaire, le calife vous traquera tous les deux. Si l'on tient à être libre, il est des choses dont on ne peut se cacher. Je dois aller à cette maison des officiers à Sharqiya. Sharqiya. Moi, je préfère dire Shakira. Ça va, on s'en est bien sorti, caresson. Cette énigme du chat, moi, je sais toujours pas comment faire. Bon, en tout cas, on a fait tout cet arc. C'est bien ? Non ? Où je trouve ça bien ? Enquête, on regarde où on en est. Je peux bouger ? Oui. Eh, on avance ! Trouver les membres de l'ordre dans la maison des officiers. GG, merci. La maison des officiers. C'est où la maison des officiers? Attendez, j'ai des trucs dans mon inventaire. Faut que je vende plein de babioles, faut que j'aille voir un vendeur là. Là c'est plus possible. Je vais y aller dès que je puis. Quoi dans mon sac? Nouveaux objets de quête? Il me faut plus de noms, fais ce qu'il faudra mais obtiens-les. Je vois pas quelque chose. Oh, encore un. Bon, le codex, on a plein de nouveautés, mais le codex, hein, c'est de l'histoire. Ou du lore, ça dépend. Faut que j'aille où, là? Si je peux aller près d'un vendeur, ce serait bien. Je vais laisser ça, c'est le chat. Et ça, je sais pas ce qu'il faut que je fasse, les récits de Bagdad, machin. Les récits de manière générale. Il y en a un là aussi. Je sais pas s'il faut que je fasse. J'ai pas d'objectif, qu'est-ce que c'est? Pourquoi les membres de l'ordre dans la maison des officiers? Mais c'est où la maison des officiers? Je sais pas où c'est moi ça. Des trucs comme ça? Non. Ah, faut que je redonne des trucs au gars de la bibliothèque.
T'es où la bibliothèque? C'était là? La maison de la sagesse. C'est le bouquin qu'elle a. Mais le truc c'est que je peux pas m'y TP. Enfin je vais essayer. Non. J'en ai trouvé qu'un nouveau je crois. Mais oui, ce serait bien que je lui redonne. Bon, de toute façon, j'ai ça au pire, c'est pas loin. Non. Oh, déplacement rapide indisponible. Pourquoi? Attendez, si je me mets là, ça sera peut-être mieux. J'étais dans une zone interdite, c'est peut-être pour ça. Ouais, voilà. Mais je sais pas, je sais qu'il y a des trucs à faire avec les points dorés sur la map. Je sais pas du tout quoi en faire. Digivo. Oh, il y a le gueuleur ici. Genre, attendez, je vais regarder mon oiseau. Le récit de Bagdad, est-ce qu'il le voit? Oui. Mais du coup, j'ai quoi y faire? Mais faut que j'aille en sous-sol, peut-être. Ah, c'est peut-être lui. Mes trois pages. Non, je pense pas. Non, mais il y a des trucs que j'ai pas pillé, Jax, encore. Les fameuses trois pages, bah ouais, peut-être. Peut-être qu'à chacun de ces points-là, il y a un mec qui veut des pages. Si c'est le cas, on va pas les faire, hein. Si c'est le cas, c'est mort, hein. En plus, je les ai perdus de vue, du coup, c'est encore plus mort. Regarde quand même s'il n'y a pas un endroit où... où descendre en sous-sol, ou atteindre une porte secrète, je ne sais pas. Je crois qu'il n'y a rien. Les autres points sont peut-être des pages. Je crois qu'il y en a beaucoup, en fait. Que ce soit des pages. Et là, on dirait qu'il y a un endroit à visiter, mais bon, bah, je sais pas comment l'atteindre. Habitants, le Mortassib tient à renvoyer à tous les marchands. Et bon, on se tire, hein, voilà. Alors, faut que j'aille à la bibliothèque, on avait dit. Remarquez, c'est le coffre, oui. Oh la vache, les chutes de FPS de malade. Et c'est parce que j'étais trop vite. Bah oui, mais regarde où tu marches. Ça marchait littéralement où je courais. Je continue de courir. Comme ça. J'ai un objectif en tête, je cours moi. Je sais pas vers quoi mais je cours. Sauf que j'ai un peu mal au pied. Alors, ici. Non, de l'autre côté. Bon, c'est pas grave. J'aimerais bien que les portes s'ouvrent toutes seules comme dans plein de jeux. Inspiré de Fight Rails. Des fights. Oui, j'ai mis un accent espagnol. Tu as quelque chose pour moi? Personne n'a vu ceci en ville, c'est certain. Si tu en trouves d'autres, reviens me voir. Mais ça me donne aucune récompense. Les jetons du service d'érudit. Alors ça a l'air super, sauf que je n'ai jamais vu un service d'érudit, je crois. Hein. Genre, tu... Enfin, quoi le service d'érudit si je lui demande de me lire des poèmes? Ça peut être une super soirée, mais ça va pas m'aider. Ah, je peux passer par là. C'est cool, ça. Je sais pas ce que je peux faire ici, mais j'ai toujours pas accès à cette fucking... salle. J'ai pêché une clé peut-être. J'ai pas fait gaffe. La prison. Collecteur d'impôts.
Ah, tu penses qu'il faut que je reparle parce que j'ai plusieurs livres? Tu penses? Merde. Attends, je vais reparler. Mais Tu as quelque chose pour moi? Pas encore, non. Ouais, non, je pense qu'il donne tout d'un coup. La prochaine fois, peut-être échangerons-nous autre chose que des propos banals et ennuyeux. Peut-être qu'après, à la fin, tu as la clé? Quand tu fais tout ça, peut-être? Parce que je tourne Zerudi. Ça m'étonne! Ça m'étonne puisque c'est pas un fonctionnement qu'on a vu. J'ai l'impression que ça commence à un peu sortir la clope. Mais grâce à mon purificateur d'air, en vrai, ça sent vachement moins la clope quand il fume. Mes voisins. Voire quasi du feu. Je suis assez contente. Ah voilà, récit de Bagdad, il y en a un autre là-bas. Ah peut-être, hein. C'est vrai que regarde, il y a 3 points et il y avait 3 pages à choper. Je viens de choper une déjà, donc je sais pas. Je sais pas. Récit de Bagdad, j'en ai 2 à voir dans la région. Non mais c'est bizarre. Je sais pas. Non, c'est peut-être ouais des gars qu'on... Putain, la clope, non. Non, je vis pas dans une boulangerie. Ça fait des crêpes, les boulangeries. Pas fou, pas de fou. Oh, y a une énigme ici. J'aimerais bien la récupérer. Là, j'ai envie de faire un peu de trucs secondaires. Bon, et puis je vais pas tarder non plus. Je commence à faire du gueule un peu. Oui, mais je peux pas m'y TP encore. Après, je peux aller là. Je vais aller chez le négociant en me téléportant ici. Plaisir. Ouais, c'est vrai que là on a fait on a bien avancé en vrai. Mais du coup, ça fait qu'il y a moins ces petits objectifs sympas qui permettent d'entrecouper la quête secondaire, enfin la quête principale avec des petits objectifs secondaires histoire de pas être en ligne droite et de pas faire tout le temps la même chose. Ah oui, les items de Dervi, tout à fait. Et là, on a un truc à choper. J'ai jamais été là? Ah bah si si, on a pris la tour, mec. Un coffre à récupérer. Bah ouais, mais le problème c'est que y a des coffres. Si je fais pas la quête principale, je peux pas les avoir. Et ça dégoûte. Salut à toi. Yo. Content de te voir. Tu sais que tu... Alors tu passes le balai sur du sable. Enfin de la terre même. Tu as vu quand même? C'est même sur de la boue que tu passes le balai. Bref. Permets-moi de jeter un coup d'œil. Ça dégoûte parce que t'es addict. Si j'étais addict, je te promets que j'en aurais plein des coffres et des trucs. Et j'aurais fait plein d'objectifs secondaires, mais c'est pas mon cas. Je vais vendre par contre, parce que j'ai plein de trucs à vendre. Et en plus, la mission m'a demandé tellement de thunes là. Du lâcher 500. Plus d'autres sous pour je sais plus quoi. Son équipement est toujours utile. Ces outils ont leur utilité. Oh, 90. Vas-y, j'en prends 5. Très bien. Besoin d'amélioration? Parfait. Oh, mais tout ça me coûte si cher. Oh. C'est tout pour l'instant? T'arrêtes pas de te gratter les pattes et de te ronger les ongles. Je me suis jamais rongé les ongles de ma vie. Et j'ai jamais eu d'urticaire non plus. Voilà. Et en vrai, je trouve les gens qui se rongent les ongles, ils ont des goûts bizarres quand même pour manger leurs ongles. C'est riche. Pas fou. Hein. Grand suggéré objet pour Dervi, 2 sur 4. Ah oui, dans la région. Non. Bah alors, on trébuche? Pas moi, hein. C'est pas là. Hein. On va chercher le... lundi. Non, flemme de dérober, en fait. Ils ont pas grand chose à manger à part leurs ongles. Qui a pensé?
c'est pas vrai. En vrai, t'as de la terre. Au moins, des textures différentes que l'ongle, là. Une follow est signalée. La ferme. On peut plus. Je me fais harceler. Moi aussi, je vais unfollow et te signaler. Je vais unsub aussi. Faire un tweet longueur. Comment Buisson Delphine a fait de ma vie un enfer? 1 sur 254. Trésor, hein, oui, je veux. Ah, c'est pas mal ça déjà. On va être capture d'écran T. Inspiré de faits réels. Mais voilà, tu continues le harcèlement. Arrête. Ah, c'est ici. C'est ici en fait. Ok, c'est ici. Et c'est sous un palmier, genre ici. Oh, on y va direct. Oh, c'est si loin. Oh, ça va en fait. Let's go. Ah, c'est sous un palmier? Dans ces endroits-là? Bah, ça va pas être rapide. J'aime bien le bruit sourd des sabots. La terre. Je trouve ça très agréable. Désolé, je suis en train de te rouiller. Alors c'est sous un palmier, sachant qu'il y a que des arbres qui ne sont pas des palmiers ici. On dirait un peu des sortes d'oliviers. Ou pas du tout peut-être. Je connais rien en arbre en vrai. Oh, le palmier. Ah non. Il soit un palmier. La map. Alors. Ah mais je peux du tout en mode... Ah non, j'ai suivi le mauvais. C'est là-bas, c'est le 2. J'ai suivi le 1 parce que le 1 c'est le chat au cas où il y a un truc à y faire. Merde. Il y est toujours d'ailleurs. S'il y est toujours, c'est qu'il y a vraiment un truc à faire. Est-ce qu'il faut que je tue les gardes qui sont près de lui, hein? Il est où le chat? C'est ici le chat? Ah, il est toujours là, hein. Le chat, il est toujours là, il y a un truc à faire, c'est sûr. Je sais pas du tout quoi, mais il y a un truc à faire. Et ça a pas de rapport avec la meuf. Attendez, je l'ai fait bouger. Oh, maintenant je peux le caresser! Je crois que si je peux le caresser, c'est que c'est foutu. Je pouvais pas le caresser tout le temps de la quête. Fuck.
Ah du coup c'est là-bas. C'est quoi, c'était des lapins? Oh. Ah c'est sous un palmier. C'est sous un palmier. C'est quoi qui m'attaque? C'est encore une putain de gazelle de Thompson là? Fais-moi la paix. La paix, la paix. La paix mon ami. On dit genre c'est... là. Plus ou moins. Ouais mais c'est qu'en fait je cherche l'endroit où ça brille. Pour ça que je traverse un petit peu, je marche, je continue de marcher avec mon machin. Ah voilà, c'est parce que je cherchais un endroit où ça brille. Là ça a pris. Bon j'ai gagné quoi. Ah ouais c'est de la teinture à chaque fois en fait. En plus c'est de la teinture même pas pour ma tenue. La teinture pour la tenue que je mets même pas. Tenue nulle. Des tenules. Au niveau enquête, faut que je fasse quoi? Je pense qu'il faut que je retourne à un bureau. Du coup, j'y vais. Ça pourrait me mettre direct en bas. Hein. Ah non, attendez, il y a un saut. Voilà. Un peu plus rapide et ça m'enlève moins de vie quand même. Normalement, il y a toujours une caisse avec des trucs à... voilà, des objets que je peux ramasser. Et il y a aussi une porte toujours que je peux ouvrir et il y a des PNJ dedans. Oui, la poule! Elle me gêne la poule! Putain, elle me rentre dedans! Oh. Ah, t'es là. Tu peux améliorer des doutes. Bonjour. Content de te voir. Améliorer. Peut-être ton talent pourrait... Voilà ce... Ah j'ai pas assez. Ah j'ai assez. Prendre le fumigène. Explosion silencieuse. Ah merde j'ai pris l'explosion. Ah oui non c'est ça. C'est fumigène. Wouf, s'en fout. Récupération pour passer une partie de sa santé. S'il est dans le nuage de fumée. Trop bien ça en vrai. Dégâts aux ennemis situés dans la fumée. Les deux sont bien mais celui-là il me plaît beaucoup. Tu en as vu assez? Je te suis redevable. On sait, explosion silencieuse. Fait. Tu sais? Comme des explosions silencieuses que tu provoques toi-même par ton rectum. Tu peux pas en débloquer un contrat, si. Moi, je commence à fatiguer, j'avoue. Ah, je commence à fatiguer. Moi, je veux les trucs des marchands. C'est marrant l'épée. Oh là là, insupportable. Oh, le mec second degré direct. Apporter des pièces masquées aux représentants des marchands. Attendez. Apporter des pièces marquées. Gagner la course. On verra plus tard. Je vais arrêter la VOD et je vais faire des bisous à VOD.
tout.